35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5. We're going to the moon together. Pack your bags and jump into the car. Goodbye, Mother, so long, Mother, so long, Mother, so long. C'est une période qui touche beaucoup, je m'en souviens très bien. Moi, je ne voyais pas les Américains qui avaient gagné la course à la Lune. Hein. Je ne voyais pas l'aspect géopolitique, mais je voyais nous, les humains, avons réussi ça. Et ça m'a donné envie d'aller dans l'espace, pas de devenir astronaute, dans le sens quelqu'un qui va dans l'espace pour y exercer un métier, mais je me disais que je serais grand, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller dans l'espace, d'être en apesanteur, de marcher sur la Lune, de voir la Terre de loin, et je l'ai rêvé depuis tout petit. Et c'est plus tard, en faisant des études supérieures, que j'ai compris que ça n'avançait pas aussi vite que les professeurs me disaient à l'époque. Pour aller dans l'espace, il fallait en faire un métier. Pour en faire un métier, il fallait d'abord en avoir eu un autre avant. Parce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui une filière d'études qui mène au métier d'astronaute. Mais j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs marcheurs lunaires. John Young a été mon instructeur en simulateur de la navette. J'ai fait des vols en T-38 avec lui. C'est un petit peu mon chasse supersonique qui nous sert régulièrement pour nos liaisons professionnelles entre Houston, la Floride et la Californie. Et puis, pendant les vols de nuit, je parlais avec son aventure, on parlait des étoiles, parce qu'à l'époque, ils appelaient les constellations. Les astronautes, comme chez les cosmonautes, il y avait des examens sur la connaissance des cartes du ciel. On peut leur présenter des cartes du ciel, il fallait qu'ils puissent nommer des étoiles. Parce que dans les missions spatiales, il faut recaler régulièrement ce qu'on appelle les centrales à énergie, sont des capteurs comme on a dans nos téléphones qui informent de la rotation du vaisseau et de ses translations, mais ça dérive dans le temps maintenant. Et pour recaler, eh bien, il faut viser des étoiles à la main. Et alors, ce qui me touche aussi, bon, j'ai été sélectionné astronaute en 85, il y a 31 ans. On a fondé la fête de 30 ans avec le deuxième groupe d'astronautes français. Donc, c'était à peine 16 ans après l'émission Apollo, après Apollo 11, et à peine 13 ans après la dernière mission Apollo. Et moi j'ai grandi en tout cas avec dans l'ère de la navette spatiale, et tous les interrupteurs et les indicateurs dans le cockpit étaient de la même technologie que ceux qui avaient dans Apollo. Les interrupteurs physiquement, c'est la même fabrication. Le manche de pilotage du bras robotique dont j'étais spécialiste dans mon deuxième et troisième vol pour capturer le vol, c'était physiquement la construction qui était la même que les manches du module lunaire. Et donc, on avait à bord de la navette, dans la mission, des équipements qui physiquement avaient volé dans la mission lunaire. Les Hasselblad, le INROF, qui sont des appareils photo que j'ai montés avec moi, avaient volé dans des missions Apollo. Le COAS, le Crew Optical Alignment System, COAS, il y a beaucoup d'acronymes, qui nous servait à viser à la main des étoiles depuis la navette si on n'arrivait pas à le faire après le recalage avec des senseurs stellaires automatiques, c'est un équipement qui a évolué dans des missions Skylab ou dans des missions Apollo. Donc avoir vécu avec ces gens-là, et John Young, c'est mon héros, hein. 6 vols spatiaux, 2 vols Gemini, donc premier, 2 vols Apollo 10, pour lesquels il a perdu le contrôle
quelques kilomètres d'altitude et ils sont passés près de la catastrophe. Et puis Apollo 16, donc le marchand lunaire avec la Jeep, il a inventé avec Charlie Duke, qui est devenu un ami aussi, Charlie Duke, j'ai passé une semaine avec lui, il a donné des conférences dans des écoles en Polynésie française. Et on sait bien, il a raconté des anecdotes incroyables, comment il a cassé des expériences parce qu'il s'amusait à. Il s'est passé en faisant des grands ronds, puis il s'est loupé, puis une histoire s'est tombée, il s'est passé une fois pour enfoncer une carotte pour faire un événement, mais il a perdu le contrôle, il est tombé sur le ventre, et puis il a dû rebondir en faisant des pompes plusieurs fois, une fois avec genoux, il voulait inventer les moules olympiques. Et alors, le record de saut en hauteur, chacun son tour sautait plus au fil. Quand ils faisaient ça, ils étaient cachés. De la caméra qui envoyait l'image vers le sol par quelques caisses qu'ils avaient enlevées du module lunaire. Puis à un moment donné, il se casse la figure sur le dos. Bon, lui a eu la peur de sa vie, il pensait qu'il allait casser le backpack. Et dans le centre de contrôle, ils étaient verts. Hein. Il a fallu attendre que John Young le redresse et qu'il dise bah, tout va bien, rien n'est cassé. Y en a qui sont vraiment amusés. Et puis bon, il y en a un qui a joué au golf, hein, comme on le sait. Mais j'ai pas connu Neil Armstrong, mais je connais bien Buzz Aldrin, que je vois une ou deux fois par an. Il aime bien la France, il m'appelle au téléphone régulièrement parce que c'est un féru d'astronautique. Même à 80, donc il doit avoir 82, 80 ou 84 ans aujourd'hui, il fait toujours des calculs et il soutient des techniques auxquelles il croit fortement sur la façon de naviguer vers Mars et de reconquérir la Lune. Donc c'était un fervent. Je connais bien aussi Gene Cernan, le commandant de bord d'Apollo 17, et quel était le dernier homme à marcher sur la Lune. 12 marcheurs lunaires, oui. Et Gene Cernan est parti avec le seul non-pilote de chasse militaire, le géologue scientifique Harrison Jack Schmidt, qui a ramené les meilleurs échantillons lunaires. De très loin, les meilleurs échantillons ramenés de la Lune sont ceux ramenés par le géologue, parce qu'il avait l'œil. Il c'était un spécialiste de la Lune, il la connaissait par cœur, à croire qu'il y était déjà allé. Hein. Et ce qui est dans le livre qu'écrit Gene Cernan, ce qui est un peu surprenant, il y a un aspect poétique que j'aime beaucoup dans le film, et de voir des astronautes qui ont été pilotes de chasse, qui ont fait la guerre du Vietnam, et un peu les keks, quoi, et s'émerveiller, ébahi, les yeux écarquillés en regardant la Terre, comme Gene Cernan. Il dit il a été vraiment ému. Et quand il a dit à Jack Schmidt, écoute, au lieu de regarder par terre, là, lève une fois les yeux vers le haut. Il lève les yeux, ben quoi ? Ben la Terre, oui, la Terre, quoi. Et il était très déçu, Gene Cernan, qu'un scientifique n'était pas du tout ému par ça. Moi, je suis convaincu que l'exploration spatiale, c'est notre destin à très long terme. Pourquoi on est allé sur la Lune ? Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Et moi, je crois à la plus fondamentale, c'est l'exploration qui est en nous, la curiosité, chercher à comprendre d'où l'on vient, est-ce qu'on est capable de vivre et de travailler ailleurs, et rechercher l'origine de la vie. Hein, c'est ce que dit le film à la fin, c'est le message principal. On avance un tout petit peu dans la connaissance de comment la vie est apparue sur Terre. Peut-être les missions lunaires ont apporté un petit peu de réponse. Bon, on n'a pas la réponse, mais le but principal de toutes nos sondes interplanétaires aujourd'hui, les missions principales de Sojourner, Opportunity, Spirit, Curiosity, Mars Express, ExoMars, Huygens qu'on a posé sur Titan à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre, une lune de Saturne, c'est rechercher de l'activité biologique. D'où nous venons, d'où vient la vie. What is the source of life? What combination of energies and elements brought it into existence? What is the relationship between the non-living and living things? How delicate is the balance? Man slowly begins to realize how fragile is his bubble of life.
ça a commencé par la Lune et le fameux discours de Kennedy, les deux fameux discours. Je crois que c'est, nous devons nous donner la mission d'envoyer un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf, parce que ce sera le projet le plus impressionnant, ça c'est l'aspect politique, et ce sera très important pour l'exploration future de l'espace. Et c'est vrai que les missions lunaires ont servi de tremplin à tout ce qui a suivi dans l'exploration spatiale, à la fois habitée et inhabitée. Et puis le deuxième discours, on ne le fait pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Et c'est vrai que si dans la vie on se donne que des objectifs faciles à atteindre ou des choses qu'on a déjà faites, eh bien on ne saura jamais de quoi on est capable à la limite. Et typiquement, dans les programmes spatiaux, ce n'est pas propre à l'espace, mais l'espace c'est un exemple typique, quand on lance un nouveau programme spatial, il y a la moitié des problèmes à résoudre pour le réussir qui n'ont pas de solution connue au moment où on décide du programme. On parie sur les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs, les managers, les juristes, enfin, il faut de tous les métiers hein, pour le programme spatial, pour trouver les solutions dans les années à venir pour que le jour J, dans 10 ans, on soit prêt à décoller, prêt à y aller, voilà. Donc, non, c'est un très beau film, j'espère que ça vous a touché, que ça vous fera rêver, et contrairement à ce que vous entendez pour terminer, les gens qui disent ça coûte très cher, on pourrait à la place construire plein d'écoles, résoudre plein de problèmes, c'est totalement faux, parce qu'en fait, alors c'est vrai qu'à l'époque c'était un budget énorme, mais aujourd'hui les vols habités, en tout cas pour les Européens, coûtent environ 1 euro par an par habitant des 10 pays qui contribuent. Si vous prenez la population des pays qui contribuent, c'est pas en supprimant ce euro par an qu'on va changer quoi que ce soit dans la vie ailleurs sur Terre. Pour vous donner une idée, en France, l'éducation nationale, c'est environ 1 000 euros par personne par an, par habitant. Je ne dis pas par élève. Par élève, ce serait 2 3 000 ou plus. Mais, donc, vous voyez, c'est très raisonnable. Mais avec ça, eh bien, on se challenge à devenir plus savant, à être capable de faire des choses incroyables, à élever le savoir-faire de la société, à acquérir des connaissances toujours plus pointues, et avec les connaissances, devenir plus sage, et peut-être... on peut espérer comme ça un jour devenir sage à l'échelle de la planète. Once we knew man's limitations, we could build him an artificial environment for space travel. Columbia, the command module, was a supreme achievement of the technology of its age. It was a mini planet, complete with its own environmental control system, telecommunications, electrical power, guidance, navigation, stabilization, propulsion, reaction control. It provided hot and cold water and removed carbon dioxide from the air. Three men could live here for more than a week. Eat, work, sleep, shave, exercise, and listen to music. It was micrometeor proof, burn proof, and seaworthy. And it could tilt itself in any direction. In short, it was the most intricate and sophisticated machine ever made by man. Donc oui, tu nous parles des grandes questions là comme moteur de ce genre de programme, mais il y a un contexte historique peut-être. Gérald, tu peux peut-être un peu nous résumer ça. Il y a un double contexte. Bonsoir. Il y a un double contexte. Il y a d'abord un contexte. Il marche pas celui-là. Donc bonsoir. Il y a un double contexte en fait dans lequel on peut inscrire le film qu'on vient voir. D'abord, il y a un contexte qui est naturellement lié à celui de la NASA. On est dans un contexte purement médiatique. Le film qu'on vient voir est un film de commande, qui est une commande de la NASA, qui a été fait dans un contexte particulier, parce qu'au départ, il devait être financé par la MGM avec un budget faramineux, et puis finalement, ils ont fait ça avec 3 dollars et 4 cents, mais avec un réalisateur à peu près connu de documentaires, qui avait reçu un prix pour avoir filmé la Foire internationale de New York en 1964. Et... la NASA voulait avoir un metteur en scène pour sortir du train-train des films de propagande qu'elle avait l'habitude de faire ou des films techniques qu'elle avait l'habitude de faire. Donc là, on est déjà dans un produit qui est bien pensé et dans un produit de communication. La NASA va fournir des images des voyages passés, 16 minutes d'images
prise sur la Lune avec des astronautes qui ont été briefés sur la façon de filmer, ce qu'ils devaient filmer, comment ils devaient le filmer. Il y a eu 240 caméras automatiques qui ont pris les hommes sur Terre en train de travailler, pour ceux de la NASA, et la bande de Beatnik qui était en train de camper et qui avait fait de Cap Canaveral un immense parking. Ce film a été bien reçu par la critique, mais est passé à côté totalement de sa cible. C'est-à-dire que la NASA voulait avoir un produit qu'elle pourrait montrer dans des cinémas, qui pourrait faire le tour du monde et propager l'image de la NASA dans le monde entier. Il se trouve que la NASA, dans ses objectifs, a été concurrencée par tous ceux qui ont été filmés, qu'on a vus courir, porter des caméras, avoir des appareils de photos et autres. La télévision est passée par là. Et ce film est peut-être un des derniers films documentaires destinés au cinéma pour une longue période. Parce que justement, la télévision va prendre ce genre comme un programme qu'elle va pouvoir diffuser à des heures de grande écoute au plus grand nombre. Ça, c'est le premier contexte sur lequel je voulais m'arrêter. Le deuxième contexte, c'est un contexte qui est beaucoup plus géopolitique. D'abord, c'est un film américain, fait pour des Américains, avec une vision américaine. On commence avec Stone Age, on finit avec Stone Age. On a une musique qui est quand même faite de sons saturés. Pas forcément à la Star Trek, mais c'est la même période, c'est la même époque. On est en juillet 69, un mois plus tard, c'est Woodstock. On voit dans les images de civils qui font leur lessive, il y en a même un qui fume un pétard. On est dans ce mouvement hippie qui se met en place aux États-Unis, qui est peut-être incompréhensible pour les Européens à cette époque, surtout quand on voit les Parisiens coincés en train de regarder la télé devant un hôtel. Mais on a, avec la narration qui est faite de ces événements, avec les questions qui sont posées, d'où venons-nous, où allons-nous, on est vraiment dans une période et on est vraiment dans les années 60 américaines qui ne sont pas arrivées en Europe ni dans les années 60 ni dans les années 70. President Nixon is planning to use his executive power to streamline the Interstate Commerce Commission. It was reported Nixon would trim. He was later in the week enthusiastically welcomed at the Jackie Gleason golf match in Miami, Florida, where local residents celebrate. As air pollution reached critical levels, the Senate unanimously backed a National Environmental Policy Act to make the safeguarding of the physical environment. Astronauts are not the only explorers in the news. San Diego awaits the arrival of Mrs. Sharon Adams on her solo crossing of the Pacific. Seen here leaving Yokohama, California couple said they plan to marry at the precise moment Armstrong sets foot on the lunar. In Vietnam, things are relatively quiet with only a few firefights. 814 men of the 3rd Battalion, 60th Infantry. GIs north of Saigon were evacuating villagers. In the Mekong Delta, a South Vietnamese force was. New riots broke out in Northern Ireland during the celebration marking the 297th anniversary of the Battle of Boyne, a Protestant victory over the forces. More witnesses in its investigation of student disorders that took place at Harvard and other universities last spring. 10,000 Harvard students. Registration for the Black Panther Party convention being held at party headquarters in Oakland. The White House, Quakers had gathered to continue their silent vigil against. The Grand Prix auto races at Watkins Glen, New York, and the 200-mile at Trenton, New Jersey, were won by world-famous Mario Andretti, who
now takes the lead in U.S. Auto Club. Anti-poverty workers out of Charleston, West Virginia, are taking information about birth control and family planning into the mountains of Appalachia. A new line of space toys drew impressive crowds of children of all ages in the Tokyo department stores on the eve of Apollo's touchdown. In the Mideast, young Jordanian guerrillas trained for battle, while new skirmishes broke out. In retaliation to Israeli assaults, a force of 32 Egyptian commandos slipped across the ceasefire. From the U.S. Defense Department, that beef... 1.5 million Biafrans have now succumbed to starvation. All right. Great Antilles carried out another successful Benjamin spot in Chicago. Young Jordanian army over Viet Cong's American League. The fiery judge knows yesterday's fight is now. Ensuite, on a une vision des États-Unis. Après Stonehenge, on voit des encombrements sur les autoroutes, on voit une société vouée à la communication, à la consommation, je veux dire. On consomme aussi de la communication, mais là, on voit ce qu'on consomme au début, c'est... une société de spectacle, une société où il fait bon vivre, une société riche. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les images de cette Amérique-là qu'on nous montre avec les images du monde qu'on veut bien nous montrer. On va nous montrer Berlin, on va nous montrer Venise, on va nous montrer l'Afrique. On voit un monde différent. Berlin, Venise, on est encore dans le... dans un monde qui est développé, mais qui est déjà moins développé que ce que les Américains, que l'image que les Américains ont d'eux-mêmes. Et puis après, il y a cette Afrique. On a cette Afrique qui ne mange pas à sa faim. Dans les nouvelles du monde, à un moment donné, on dit rapidement, on parle du Biafra. Donc on a cette Afrique de la famine qu'on nous met en contrepoint de cette opulente Amérique qu'on nous a montrée. Around the world, another morning. Not so very different from the morning before, or tomorrow morning. This day on which man will leave Earth to walk on the moon, 3 billion people went about their daily lives. Some in the way their ancestors did centuries before, others in a world shaped by modern technology. It seemed that most people were unaware that this event might change the history of the human race, that this morning would be marked in history books and learned by their children's children. In what age of man will the meaning of this morning be understood? Et puis il y a une autre dimension, celle sur laquelle j'ai peut-être un peu plus de légitimité pour parler, c'est celle de la guerre froide. Dans le panégyrique de ces 25 siècles de penseurs de l'espace, on a quand même oublié deux, on en a certainement oublié plus, mais en tout cas, on en a oublié deux, Sergei Korolev et Wernher von Braun. Alors c'est gonflé pour la NASA, parce que Wernher von Braun, c'est le type qui a supporté et porté tout le programme depuis 1945 jusque dans les années 70. Donc c'est quand même la personne fondamentale. Il était là le 24 juillet. Pourtant, on le voit, hein, mais c'est vrai qu'on ne le cite pas. On le voit rapidement, on ne le cite pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne les cite pas, ces deux-là? Parce que les deux pères des programmes spatiaux russes et américains sont les véritables compétiteurs d'une compétition que Jean-François a évoquée rapidement, mais qui est une compétition qui nous ramène
à l'avant-guerre. C'est bien beau de nous montrer Robert Goddard. Lui, c'est le héros typiquement américain. Il a tiré ses fusées, il a mis le feu chez les voisins, il a causé des problèmes de propriété typiquement américain. En plus, c'était dans les années 30. Il faut se souvenir que dans les années 30, les États-Unis, ils avaient autre chose à faire que d'essayer d'envoyer des fusées dans l'air. Mais en 1926, il tire sa première fusée. En 1927, Werner von Braun commence à imaginer le programme spatial allemand. Et il commence à l'imaginer parce que l'Allemagne, depuis 1919, ne pouvait pas avoir d'aviation. Donc, envoyer des véhicules au-delà de l'espace où les avions pouvaient voler, c'était permis par la convention, enfin par les traités de paix. Les Russes vont profiter de l'avènement d'une idéologie particulière pour se faire des alliés en Allemagne et des alliés qui travaillent avec Werner von Braun. Et donc, des communistes allemands vont passer aux Russes les avancées du programme allemand, à mesure que le programme allemand avance. Et c'est Sergueï Korolev qui va essayer de comprendre ce qu'il en est et qui va essayer de le développer. Korolev va être arrêté dans son élan par la paranoïa de Staline, qui pensait que tout le monde travaillait avec les Allemands et que... ils étaient des traîtres en puissance. Alors que von Braun, à la même époque, va faire un pacte avec le diable, c'est-à-dire qu'il va l'autoriser à militariser le programme spatial. Et cette militarisation du programme spatial va arriver en juin 1944 à faire voler des V1, c'est-à-dire ces espèces de petits missiles volants qui sont tombés sur Londres et qui ont déclenché la deuxième bataille d'Angleterre. Et en septembre 1944, l'envoi des V2. Et des V2, ce sont des vecteurs qui allaient beaucoup plus loin et beaucoup plus haut que les simples missiles V1. À partir de là, on a une course qui se met en place entre les Américains, qui sont les supposés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, et les Russes, qui sont les autres supposés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Chacun de ces deux pays va lancer des programmes pour récupérer la science et le savoir allemand. Il se trouve qu'à Peenemünde, qui est le lieu où les savants allemands travaillaient au programme spatial, on prenait des congés. Et Werner von Braun, qui était de Munich, a été voir sa femme à Munich pendant qu'une partie de son équipe restait à Peenemünde pour assurer les affaires courantes. Il se trouve que les Russes sont arrivés à Peenemünde et que cette équipe a décidé de travailler avec les Russes, donc avec Korolev. C'était l'équipe majoritaire. Von Braun, à Munich, a récupéré et rappelé tous ceux qui n'étaient pas passés du côté soviétique pour partir avec les Américains aux États-Unis et travailler sur le projet spatial américain. Et là, on a une course. D'abord, une course à celui qui peut envoyer une fusée le plus haut. Là, Américains et Russes vont être dans les mêmes temps. Il se trouve que ce sont les Allemands qui travaillaient ensemble, donc forcément, les vecteurs, ils ont sorti le même. Fin des années 50, enfin à partir de 1955, on va imaginer de mettre quelque chose au bout de ces fusées. On ne va pas mettre une bombe atomique ou des bombes, on n'est pas encore dans cette logique-là. Enfin, si, on est dans cette logique-là, mais on a fait des fusées plus petites qu'on appelle des missiles, et ça, c'est pour des autres combats. Mais on va penser à mettre des satellites, à envoyer des satellites en l'air. Des satellites de télécommunication, des satellites d'observation, parce que la guerre froide avait cette particularité, c'est qu'on ne pouvait pas aller chez le voisin, enfin quand on était occidental, et donc
qu'on était mieux informé sur l'état de la Wehrmacht dans les années 30 que sur l'état de l'armée rouge dans les années 50. Donc on a décidé d'envoyer des avions, et puis quand les avions se sont fait prendre par la DCA, ben, on a envoyé des satellites pour observer chez le voisin. Et puis une fois qu'on a envoyé des satellites, on s'est dit on va peut-être envoyer des êtres humains. Et là les Russes ont été plus rapides. Le premier satellite au printemps 57 et le premier être humain, un chien, à l'automne 57. En fait, c'est octobre 57, Spoutnik. 4 octobre. 4 octobre. Premier satellite Spoutnik. Et donc, c'était en novembre, Laika. Et les Américains, eux, n'ont jamais réussi, parce que l'objectif était d'envoyer quelqu'un vivant et de le récupérer vivant. Choix que les Russes n'avaient pas fait. Donc les singes américains n'ont pas réussi à devancer la chienne russe. Et dans ce combat, les Américains vont toujours être à la ramasse par rapport aux Russes. Ils vont toujours avoir un, deux, trois mois de retard par rapport aux Russes. Les Russes vont envoyer Gagarine. Trois mois après, les Américains vont envoyer Shepard. Et à un moment donné, les Américains vont se dire il y a un problème, et le problème, on va pouvoir le résoudre à l'américaine en mettant un budget pour soutenir la concurrence russe. Et là, le budget, c'est le budget lunaire. En 1958, on crée la NASA pour envoyer quelqu'un dans l'espace. Mais ça ne marche pas. Il faut Kennedy, il faut la capacité de médiatique de Kennedy pour que cette nouvelle frontière, l'espace, devienne une réalité. Et 1969, la marche sur les premiers pas sur la Lune va marquer un tournant dans l'histoire de la conquête spatiale. C'est que l'enjeu qui était d'envoyer quelqu'un toujours plus haut, toujours plus loin, ben, s'arrête sur la Lune. Ce sont les Américains qui ont gagné. Donc les Russes et les Américains vont décider, pour une fois, de s'entendre. Et en 72, ils vont décider de lancer le programme de station spatiale. Et à partir de 71, les Russes avaient en 71 leur premier module, le module Salyut, et les Américains en 76 vont créer la navette spatiale. Et en 75, Russes et Américains vont signer une paix en se rencontrant dans l'espace. Bon, ça, c'est, je te remercie beaucoup. C'est une, donc la dimension historique et le contexte. Peut-être pour rebondir là-dessus, et peut-être Jean-François, tu peux commenter. Il y a aussi cet aspect dans le film où on voit tous les développements techniques, en particulier tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que ce genre de mission soit réussisse. Oui, en deux mots, ce qui est très difficile en astronautique, c'est la propulsion fusée, la rocket science, et puis la stabilisation. Parce qu'il faut savoir que lancer une fusée, que ce soit Soyouz, Ariane, la navette, c'est comme tenir en équilibre un crayon sur votre doigt et l'accélérer très rapidement vers le haut. Donc vous imaginez que le crayon, il a envie de basculer sur le côté. Donc il faut, à bord des fusées, il faut ce qu'on appelle des centrales à inertie, dont je parlais tout à l'heure, qui informe le vaisseau de la tendance qu'il a à basculer d'un côté ou de l'autre. Et dès qu'il bascule un peu d'un côté, on pilote l'orientation des tuyères pour corriger et constamment maintenir cet équilibre instable dans la bonne direction. Et la deuxième chose, c'est que pour rester en orbite déjà terrestre, avant de parler d'aller sur la Lune, pour rester en orbite terrestre, il faut communiquer au vaisseau spatial, quel qu'il soit, automatique ou inhabité, une vitesse de 28 000 km/h. On l'entend dans le film. La vitesse de 28 000 km/h horizontale, c'est une vitesse qui fait que si vous lâchez un objet à cette vitesse et que rien ne ralentit cette vitesse, l'objet en tombant, toujours attiré par la Terre, la gravité en orbite basse terrestre, elle est quasiment la même qu'ici, hein. L'objet en tombant ne va jamais rencontrer d'obstacle et il est indéfiniment en chute libre. C'est le principe de la satellisation. La mission de toute fusée, c'est vite traverser l'atmosphère, dès qu'on l'a passé, incliner la trajectoire et accélérer le vaisseau spatial à l'horizontale pour le lâcher avec une vitesse de 28 000 km/h. Et là, on éteint les moteurs pour toujours. Et cette phase dure entre 8 et 9 minutes,
quelle que soit la fusée. Dans la navette spatiale, 8 minutes et 32 secondes après le décollage, on est à 28 000 km/h, lâché à l'horizontale à 28 000 km/h, et les moteurs sont éteints pour toujours. Et on tombe, attiré par la Terre. Mais on a une telle vitesse horizontale qu'on tombe en manquant la Terre en permanence. Eh bien, c'est ça qui est le plus difficile dans l'astronautique. Et toute puissance spatiale qui maîtrise la propulsion fusée démontre par cette maîtrise qu'elle sait maîtriser des technologies qui sont compliquées. Parce qu'il faut des matériaux bien adaptés, des pompes, les turbopompes qui alimentent les moteurs, à raison de l'ordre de 1 tonne de carburant par seconde. Les moteurs de la navette spatiale, en 15 secondes, vident une piscine. Une piscine de taille moyenne, 5 mètres par 10 mètres, est vidée en 15 secondes. Donc mettre au point ces pompes, où d'un côté ça rentre à moins 200 degrés dans le cas de l'oxygène liquide, et puis juste à la sortie c'est plus 1000 degrés dans la chambre de combustion, c'est très très compliqué. Tous les constructeurs de fusées se sont plantés au départ et ont planté des fusées et ont eu des échecs, hein, tous. Il n'y a pas un seul constructeur de fusées, même Elon Musk avec SpaceX il y a 10 ans, donc il bénéficiait quand même de plusieurs décennies de développement, ben, il a planté quelques Falcon au début et puis il en a planté une l'année dernière. Voilà. Je voulais juste dire, c'est très difficile d'aller dans l'espace. Et c'est pour ça que ça coûte cher. Mais quand on dit que ça coûte cher, il faut savoir que 95% des budgets, ça part en salaire. Hein, et pas pour enrichir les ingénieurs ou les scientifiques. Jean-François, deux questions par rapport à ce que tu dis. D'abord, on voit dans le film, le moment juste de l'émission, du décollage, est comme un point d'orgue. Hein, ça dure très très longtemps, comme si c'était le vrai instant où tout s'arrête. Après, un autre moment sur lequel ils attendent très longtemps, c'est le moment où il va y avoir la séparation à partir de la mise en orbite. Et puis après, un troisième moment, c'est le moment où il est où il marche sur la Lune. Est-ce que, vu de l'intérieur, ça, pour les astronautes, ça correspond effectivement à des moments de, qu'est-ce qu'on va dire, une sorte d'épiphanie ou à des moments où on est particulièrement attentif et tout ça? Ou est-ce que la mission, vue de l'intérieur, elle se déroule, on est imperturbable et tout ça? Première question. Deuxième question par rapport à l'évolution. Tu disais tout à l'heure, on se disait que ça allait aller extrêmement vite. Comme tu nous disais maintenant, bon, après tout ça, à peu près 50 ans plus tard, il y a eu 12 personnes en tout qui ont marché sur la Lune. J'imagine qu'on se disait, Armstrong est le premier, après il va y en avoir plein d'autres et ça va être le début de quelque chose qui se banalise. Comment petit à petit ça a évolué, le vent a tourné? Oui, alors pour la première question, c'est vrai que quand vous êtes sur le pas de tir, assis au sommet de la fusée, vous savez que vous avez des millions de tonnes de poudre ou de carburant explosif sous les fesses, l'accélération n'est pas phénoménale. L'accélération, c'est la poussée divisée par la masse. Bon, la poussée, elle est forcément supérieure à la masse pour qu'on puisse décoller. Mais c'est l'ordre de 1,5 à 2. C'est tout le monde ici pourrait supporter. Mais c'est un moment très fort parce qu'au moment où les moteurs s'allument, on sait qu'on est parti. Ça reste virtuel jusqu'à ce qu'on le vit. Puis au moment où on le vit, on ne sait pas où on va, mais on sent qu'on part quelque part. Hein. D'ailleurs, toutes les fusées ont comme objectif un point virtuel dans l'espace qu'il faut atteindre avec une certaine vitesse dans une certaine direction. Je crois que c'est la seule fois dans ma vie que la destination de mon transport, ce n'était pas un endroit physique. Alors, c'est vrai que le staging, la séparation des étages, c'est critique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti, notre obsession, c'est être sûr qu'on ne va pas avoir de panne moteur trop tôt ou de trop de moteurs pour être sûr qu'on atteigne la vitesse minimum de satellisation. Et d'ailleurs, à l'entraînement dans le simulateur, c'est constamment des pannes où il faut décider est-ce qu'on essaie quand même d'atteindre l'orbite ou on fait un abort once around ou abort en Afrique parce qu'on n'a pas assez de vitesse pour rester en orbite, donc on redescend. Et c'est comme un pilote qui met les pleins gaz au décollage, selon la vitesse, hein, il y a plusieurs vitesses pour ceux qui sont pilotes, et selon l'endroit où on a la panne moteur, ben on essaie de ralentir sur le reste de piste en freinant, ou on est quand même obligé de décoller. Et puis on va essayer de continuer avec un seul moteur. Et donc c'est très critique. Le premier moment critique, c'est le décollage. Le deuxième, c'est le moment où les moteurs s'arrêtent, la première chose qu'on vérifie, c'est la vitesse.
est-ce qu'on a atteint le nombre de pieds par seconde, les 20, ça doit être de l'ordre de 28 000 pieds par seconde ou un truc comme ça. Non, c'est la précision qu'il faut, c'est sensible à combien près? Oh, la précision pour la, c'est assez, c'est, même si on manque de plusieurs centaines de mètres par seconde, on peut rester en orbite. On n'est pas à 400 km, on est peut-être qu'à 200 km, mais on a le temps de voir venir et de décider de ce qu'on fait. Et effectivement, dans le cas des missions lunaires, alors, dans le cas de mes missions vers Hubble ou vers la station Mir, la troisième étape, c'est l'accostage. C'est-à-dire que quand on reprend contact physique avec quelque chose d'autre et que ça se passe dans l'espace, ça, c'est un moment fort. Parce qu'on arrive en patrouille serrée avec le vaisseau cible. La station Mir, elle est à 28 000 km/h. Il faut qu'on arrive. Nous, on arrive à 28 000 km/h. Imaginez, on vole en formation serrée à 28 000 km/h tous les deux. Il faut qu'on arrive à se toucher au bon endroit, avec la bonne orientation, à la bonne vitesse relative. Et c'est un moment émouvant, au moment où il y a contact. Donc je compare un peu, pour ceux qui sont allés sur la Lune, le contact avec le sol lunaire. Mais vous savez, moi je regarde mes collègues qui ont marché sur la Lune comme un petit gamin, hein, comme les gamins me regardent moi, astronaute qui est allé dans l'espace. Vous mettez en face de John Young, Charlie Duke ou Gene Cernan, c'est pour moi c'est des grands monsieur. Bon, il n'y a pas de femmes qui sont allées sur la Lune, mais ça viendra. Hein. Voilà, et puis la... Oui, l'autre question, c'était sur la suite. Le tourisme spatial va se développer. Le tourisme spatial consiste, pour des boîtes sur financement totalement privé, à construire des vaisseaux qui vont permettre à des non-professionnels qui sont très riches ou qui gagnent au loto de se payer un vol spatial pour vivre les sensations que vivent les astronautes. Alors, ça commence par les vols paraboliques que je vends. Donc pour 5000 euros hors taxe, c'est cher parce qu'on ne fait pas beaucoup de vols et on ne remplit pas l'avion qui peut contenir 300 passagers. On n'en met que 40, sinon c'est le bazar. Mais on fait ça 5 ou 6 fois par an. On a créé la marque R0G comme une compagnie aérienne. Et pour 5000 euros hors taxe, eh bien, vous vivez l'expérience du décollage parce que avant l'injection en orbite, ben, vous êtes tassé sur le plancher de l'avion avec une gravité apparente d'un facteur 2 environ, donc même plus grand que la navette spatiale. Et puis après, pendant 22 secondes, vous êtes en apesanteur, la vraie. Comme vous avez vu dans le film, le vol parabolique, vous savez, à un moment donné, il y a que deux moyens de recréer l'apesanteur sur Terre, soit une simulation sous l'eau, où ce n'est pas de la vraie apesanteur, ou alors recréer la vraie apesanteur, mais en vol parabolique par phase de 20 à 25 secondes. Sinon, pour 200 000 euros, c'est un avion équipé d'un moteur fusée qui vous amène à 100 km. Donc là, vous avez non seulement la puissance sous les fesses au décollage, avec psychologiquement le fait de savoir que c'est un vrai moteur fusée, c'est pas juste un avion qui commence un looping, 4 minutes d'apesanteur d'une traite, le ciel noir en plein jour, là, il faut être hors dehors de l'atmosphère pour voir le ciel noir alors qu'on est en plein jour, et puis une vue de la Terre hallucinante qui vous mettra des larmes aux yeux. Le fait qu'elle est ronde, elle est contrastée, elle abrite la vie, et c'est le plus émouvant dans l'expérience d'être astronaute, c'est de voir la Terre défiler sous ses yeux. Après, pour 30 ou 40 millions de dollars le ticket, ben, comme l'ont fait 7 personnes, il y en a 7 à ce jour, qui ont payé entre 20 et 40 millions de dollars pour vivre une semaine dans la Station Spatiale Internationale, il y en a même un des cofondateurs de Microsoft qui a trouvé ça tellement génial, il est milliardaire, hein, pour lui 20-30 millions de dollars, bon... Il se l'est payé deux fois, tellement ça lui a plu. Mais la raison pour laquelle c'est cher, c'est ce prix-là, c'est pas un produit de luxe avec une énorme marge bénéficiaire. C'est juste le prix que ça coûte. Parce qu'il y a énormément d'énergie mise en jeu pour atteindre, c'est les lois de la physique. On n'échappe pas aux lois de la physique, les lois de la physique font qu'il faut atteindre 28 000 km/h. Pour ça, il faut énormément de carburant et des moteurs très sophistiqués. Donc les prix vont descendre, mais tout doucement. Le risque restera très élevé. Aujourd'hui, on estime à une chance sur 100 d'y laisser sa peau, hein, dans un vol spatial. À l'époque d'Apollo, c'était une chance sur 2. Et ça va peut-être descendre à peut-être une chance sur 500. Mais tant qu'il y aura beaucoup d'énergie, c'est lié aux lois de la physique. Dès que vous prenez de l'énergie en voiture, vous prenez plus de risques à 200 à l'heure. Enfin, s'il y a des endroits où vous roulez à 200 à l'heure, je ne sais pas, qu'à 100 à l'heure, qui est encore plus grand que si vous êtes à 50 à l'heure. Dès que vous prenez de l'énergie, c'est les lois de la physique qui le disent, vous prenez un risque. Et dans le cas du vol spatial, c'est le summum en vitesse et en altitude, en vitesse, en énergie potentielle et cinétique. Donc ça restera risqué.
Mais je pense qu'avec le nombre de vols qui vont se multiplier, on va descendre un peu les coûts et peut-être que dans 10, 20 ans, ce sera plus facile. Alors, en dehors du tourisme spatial, on va continuer à utiliser la Station spatiale internationale pendant une dizaine d'années. Vers la fin des années 20, début des années 30, des humains retourneront sur la Lune. Les Chinois l'ont encore annoncé récemment, ils ont envie de le faire. Les Américains, le Congrès demande à la NASA, enfin demande à l'administration, à la Maison Blanche, à Obama, d'arrêter sa lubie d'aller chercher des échantillons sur un astéroïde, mais de retourner sur la Lune. Dans les années 30, début des années 40, des humains, je dirais dans les années 30, des humains iront vers Mars, mais ils ne se poseront pas sur Mars. C'est vraiment très très difficile. On ne sera pas encore prêt dans une quinzaine d'années. Et puis dans les années 40-50, des humains se poseront sur Mars et reviendront. Voilà un peu les chances très raisonnables du timing pour les vols habités. Et quand tu dis qu'on retournera sur la Lune bientôt, tout le savoir-faire qui a été développé par la NASA, est-ce que c'est quelque chose qui est encore conservé ou est-ce qu'il y a eu des pertes parce que les technologies ont beaucoup évolué, les gens, les spécialistes finalement... Si on se pose toujours la question en termes de conservation des technologies. On va tout réinventer. Il faut tout réinventer. Quand George Bush, fils, le prédécesseur d'Obama, a lancé le programme Constellation au début des années 2000, il s'agissait d'installer une base habitée permanente sur la Lune au niveau du pôle. On n'a jamais visité les pôles. On n'est allé que sur la face visible qui pouvait correspondre avec la Terre en permanence et ensoleillée en permanence. Mais sur le pôle, pour être habité en permanence, il faudra avoir le soleil en permanence. Donc quand la Lune tourne, pendant 14 jours, vous avez le soleil. Pendant 14 jours, il n'y a plus soleil sur la face, enfin près de l'équateur. Mais si vous êtes au niveau du pôle, c'est comme au niveau des pôles terrestres, vous pouvez avoir le soleil visible en permanence. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on peut cacher la station spatiale derrière la ligne de crête. Parce qu'on n'a pas tellement insisté dans le film, on l'a évoqué, mais... Il y avait trois risques majeurs auxquels étaient exposés les astronautes qui sont allés sur la Lune. C'est que le seul moteur de décollage ne s'allume pas. Je peux vous dire que dans tous les vaisseaux spatiaux aujourd'hui, la navette spatiale, ce que j'appelle l'équivalent du moteur de décollage sur la Lune, c'est les moteurs qui nous permettent de ralentir notre vitesse pour redescendre. Les moteurs de déorbitation. Eh bien, on peut avoir une panne, deux pannes, trois pannes, on s'en sort toujours. Il y a plein de redondances. Mais il n'y avait qu'un seul moteur pour redécoller de la Lune. Le deuxième risque, c'était qu'un micrométéorite perce le scaphandre lorsqu'ils sont à 10 ou 15 km du module lunaire. Puisqu'à l'époque, quand ils ont eu la Jeep dans les Apollo 15, 16, 17, avec la Jeep, ils sont allés à 15 km. Parfois, ils ne voyaient même plus leur module lunaire qui était caché derrière la colline. Ben là, un trou de 5 mm dû à un micrométéorite, ils n'ont pas le temps de revenir avant que la fuite les ait fait mourir. Et le troisième risque qu'on évoque dans le film, c'est que le Soleil, qui a un cycle de vie de 11 ans, il dort pendant une dizaine d'années, et tous les 11 ans, 10-11 ans, il se réveille et pendant un an ou deux, il est très nocif. Il a des éruptions solaires qui émettent des particules mortelles. Si vous êtes sur la Lune... une mauvaise éruption solaire vraiment un peu forte, et en quelques heures, vous êtes irradié à un niveau mortel. C'est pour ça que la NASA a mis le paquet sur l'étude du Soleil avant d'envoyer des humains sur la Lune pour être sûr qu'ils y allaient au moment où le Soleil était bien dans le coma, quoi, bien calme. Mais si vous voulez habiter en permanence sur la Lune, ou c'est pareil sur Mars, il faut être protégé des rayons cosmiques et en particulier des éjections de masse coronale de protons très, très énergétiques du Soleil. Et pour ça, il faut vous cacher derrière... de la masse lunaire, donc derrière une ligne de crête où la station serait en permanence à l'ombre, donc cachée et protégée du soleil, mais avec un panneau solaire qui dépasse la crête, on a l'énergie en permanence et on s'éclaire. Voilà. Mais voilà, la Lune, on y retournera, mais pas pour faire la même chose. Au pôle sud, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a des cratères au fond desquels jamais de la poussière s'est déposée. C'est-à-dire qu'on accède directement au manteau de la croûte terrestre, de la croûte lunaire, et on peut voir s'il y a de la glace, de l'eau et apprendre sur la Lune. Et puis une autre raison d'aller sur la Lune, mais sur la face cachée, c'est qu'on peut mettre des radiotélescopes qui ne sont pas pollués par toutes nos émissions radio, téléphone portable sur Terre, qui même sur la Lune ont un effet parasite. Et quand vous êtes sur la face cachée, vous pouvez faire de la radioastronomie extrêmement fine. Donc on a un peu plus de chances d'entendre des extraterrestres s'ils émettent. S'ils ne sont pas cachés sur la face... Prendre des questions. Bon, je suis sûr que vous avez plein de questions pour eux, donc ne soyez pas timides. Allez, c'est parti.
On avait vu dans le film les échantillons de pierre qu'ils avaient collectés. Elle est constituée de quoi exactement? Est-ce qu'on a... Ben, on sait aujourd'hui, bon, ils ont ramené un peu plus de 400 ou 450 kilos lors des missions Apollo. Il y en a à peine 10% qui a été analysé. Donc il y a environ 400 kilos de roches lunaires qui sont intouchées depuis qu'elles ont été ramenées par les missions Apollo. Et on sait une partie de la roche est composée des mêmes matériaux qu'on trouve sur Terre et une partie qu'on ne trouve pas sur Terre. Donc aujourd'hui, l'hypothèse la plus de très loin vraisemblable sur la formation de la Lune, c'est un planétoïde à peu près de la taille de Mars qui a impacté la Terre au début de sa formation, au début de la formation de la Terre, il y a 4 milliards d'années, et qui a arraché un morceau de Terre qui s'est répandu en orbite autour de la Terre en débris qui se sont agglomérés sous l'effet de la gravité et qui ont créé la Lune. Oui, le planétoïde, oui, s'étant désintégré, en accompagnant avec lui lors du rebond une partie de masse terrestre. Est-ce que les cratères de la Lune, ils ont des noms? Est-ce qu'ils ont l'eau? Non. Ah, des noms. Oui, bien sûr. Oui, ils ont tous des noms. Je ne connais pas, mais si tu en découvres un nouveau, tu peux lui donner ton nom. C'est comme pour les astéroïdes. Mais ils ont tous un nom. D'accord. Merci. Oui, et les mers aussi ont un nom. Oui, tout à fait. Oui, non. Oui, il n'y a pas que les cratères, il y a les montagnes. Gene Cernan, il avait promis à sa fille Tracy de tracer avec le doigt sur le régolithe lunaire, ce qu'on appelle régolithe, c'est la couche de poussière qui recouvre la surface lunaire, là où le vent solaire amène régulièrement des particules. Ce sont comme des cristaux de verre tranchants minuscules. C'est très agressif. C'est d'ailleurs une des difficultés pour rester dans la durée sur la Lune, c'est que les joints toriques des scaphandres, des gants, vont tout de suite s'abîmer avec la poussière lunaire. Imaginez que vous preniez du verre, avec un marteau, vous le pilez en petits cristaux minuscules, ben voilà, c'est comme ça le sol lunaire. Donc, il a oublié, il n'avait pas eu le temps, donc finalement, on a appelé ce rocher le rocher de Tracy, the Tracy Rock, the Tracy's Rock, et c'est connu, c'est là qu'on voit une belle photo de Jack Schmitt qui prélève un échantillon. Gene Cernan prend une photo du rocher, de Jack Schmitt, de la Jeep lunaire. Et derrière la colline, il faut imaginer qu'il y a le module d'atterrissage, décollage. Oui, bonsoir. Deux questions. La première question concerne le temps passé sur la Lune. On a l'impression, en voyant le film, que ce temps est très court. Je parle du premier pas au dernier pas. Et de combien était-il réellement? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question... quelles sont les avancées les plus importantes technologiques qu'on a pu faire depuis ce premier envoi de personnes sur la Lune? Je crois comprendre par exemple que le détachement de modules se fait maintenant, peut-être déjà à l'époque, par une ceinture d'explosifs qui viennent effectivement séparer les deux modules. Est-ce qu'il y a... Oula, non. Non, on a utilisé les ceintures d'explosifs au début des lancements de fusées pour séparer les satellites, mais jamais dans les vols habités. Et en fait, on n'utilise plus les ceintures d'explosifs depuis une trentaine d'années, même pour les lancements de satellites automatiques, parce que ça crée des débris qui mettent en danger les satellites qui sont déjà en orbite. Donc aujourd'hui, toutes les séparations sont très propres. Non, mais pour répondre à cette deuxième question tout de suite, les missions Apollo ont apporté plusieurs choses. Premièrement, il y a eu un effet... d'inspiration des lycéens pour choisir les matières scientifiques énormes et pour les motiver à aller au plus haut niveau qui est le doctorat. Si vous regardez les courbes du nombre de diplômes de doctorants donnés à des étudiants à l'époque en fonction du temps, eh bien elles sont directement corrélées au budget de la NASA et du programme Apollo. Le programme Apollo a vraiment incité les jeunes Américains, d'une façon ou d'une autre, ils voulaient en faire partie. Et ce sont ces gens-là qui sont plus ou moins en train de partir à la retraite maintenant, qui ont fait la puissance énorme industrielle aérospatiale des États-Unis. Une deuxième invention énorme, c'est la gestion de grands projets. Les techniques de management de très grands projets complexes ont été inventées par la NASA pour le programme Apollo. Et dont les dérivés de ces techniques, donc c'est, quand je dis technique, ce n'est pas au sens scientifique, hein, technique de gestion, hein, sont utilisés aujourd'hui dans tous les domaines, dans le bâtiment. Le pont de Millau a été géré selon des principes de gestion de projet similaires au programme Apollo. Ariane, Concorde, tout ça, c'est pareil.
Maintenant, dans le domaine des technologies, un exemple, c'est l'informatique. L'informatique serait arrivée un jour ou l'autre au niveau qu'on connaît, mais pas aussi vite s'il n'y avait pas eu le programme Apollo. Pour aller sur la Lune, il fallait un calculateur numérique. On ne pouvait pas tout faire avec un calculateur analogique. Il fallait une puce, un chip avec un CPU, comme on dit. Unité centrale. Voilà. Il fallait un ordinateur. Alors, c'était un ordinateur avec une mémoire vive de 4 kilo-octets, qui a permis après de lancer le développement des premiers avions à commande de vol électrique. La navette spatiale est entièrement pilotée avec un ordinateur qui a une mémoire vive de 125 kilo-octets. Pour vous dire, aujourd'hui, quand on voit que Microsoft Word, c'est 150 gigas ou un truc comme ça, c'est juste pour le business. Hein. Mais sinon, sur le plan des technologies, on sait que l'homme peut travailler, vivre, réfléchir intelligemment sans faire d'erreur dans l'espace. On sait qu'on peut y rester dans la longue durée. Voilà, le programme Apollo, il a poussé les deux grands à accélérer leur développement. Puis quand ça s'est arrêté pour se transformer en coopération, on avance plus lentement depuis, mais tout doucement, on progresse. Et toujours pour la première question, il y avait le temps qui a duré la mission. Oui, le temps, c'était bien une sortie dans l'espace très courte, un peu plus de 2 heures. 2 heures, d'accord. Et je sais, puisque j'ai testé sous l'eau un simulateur de scaphandre d'exploration planétaire dans une crique des îles du Frioul au large de Marseille, par 7 mètres de fond, et où j'étais mis en pesanteur apparente d'un sixième de mon poids. C'est-à-dire, je n'étais pas en flottabilité neutre. Mon scaphandre pesait environ l'équivalent d'un sixième du poids d'un scaphandre, toujours avec un système de plomb et de bouée. Et je faisais les mêmes bonds que sur la Lune. Et comme scénario, on a choisi Apollo 11. Donc, j'ai fait exactement Apollo 11 au fond de l'eau, et ça durait environ 2 heures. Et puis, on le fait aussi dans notre avion qui fait le 0G dont je vous parlais tout à l'heure. On fait des vols où on reproduit la vraie gravité lunaire et martienne. Donc je n'ai pas marché sur la Lune, mais je sais très bien ce que c'est que faire les grands bonds. Pour terminer, juste, comment se fait la séparation? Puisqu'effectivement, tout à l'heure, je pensais à des fusées qui... Les séparations, c'est des verrous qu'on ouvre ou qu'on ferme. D'accord. Par des mécanismes, Merci beaucoup. De crochet. Oui, je vais faire un mini commentaire sur cette question de l'apport des retombées. Tu parlais doctorat, tu parlais de l'informatique, tu parlais de techniques de gestion. Il y a une question de fierté nationale qui est immense aux États-Unis. N'importe quel grand débat scientifique, grand projet de fundraising, grand projet d'innovation aux États-Unis fait référence à l'homme qui a marché sur la Lune. On l'entend plusieurs fois par conf, des fois. Toutes mes conférences démarrent par le deuxième discours de Kennedy. We choose to go to the moon not because it is easy, because it is hard. Et je termine toutes par le logbook du capitaine Kirk. Notre mission, explorer des mondes étranges, rechercher la vie et avec audace, aller là où on n'est jamais allé. Bon, il y a aussi une chose, c'est que la dernière fois qu'ils ont connu... La question est posée dans le film. La dernière fois qu'ils ont connu un succès, c'est de marcher sur la Lune. Parce qu'ensuite, ils ont eu le désastre du Vietnam, ils ont eu la crise économique, et il a fallu attendre les années Reagan pour que le drapeau américain ressorte des placards où il l'avait mis et que la fierté américaine revienne. Et c'est la dernière fois où les États-Unis ont gagné, finalement. Il y avait déjà plein de problèmes dans le Vietnam, d'ailleurs, au moment du film, ça a été caché. Désastre, et ce qu'on peut dire, c'est que 6 mois avant Apollo 11... les Russes ont été à un cheveu de réussir avant les Américains. Leonov était entraîné, le vaisseau était construit, mais la fusée qui devait envoyer le vaisseau vers la Lune a explosé sur le pas de tir, et ça a créé tellement de dégâts, ça a tellement refait voir leur copie aux ingénieurs qu'ils ont laissé les Américains gagner. Mais en novembre, je crois que c'était en novembre 68, que devait avoir lieu le premier essai en blanc, mais sans personne à bord, pour être dans la foulée habitée. Bon.
bonjour. Je voudrais savoir la technologie de la navette réutilisable, de combien elle a permis d'abaisser les coûts en termes de dollars par habitant. Par exemple, vous pourriez comparer Saturne et le programme navette. Et puis ma deuxième question, est-ce qu'il y aura une nouvelle technologie pour aller sur Mars ou ça sera toujours la technologie navette améliorée? Alors, pour la première question, zéro. Le programme navette spatiale qui était censé effectivement diminuer les coûts, en la faisant voler avec un parc de 3-4 navettes, ben, une navette volerait tous les 15 jours. Elle s'est avérée beaucoup plus chère, beaucoup plus chère que prévu. De l'ordre de 500 millions de dollars la mission. Donc elle est revenue à l'équivalent de 30 dollars par Américain par an. Ah ben, le mission Apollo, il ne faut pas compter parce qu'en 9 ans, ils sont partis de 0-0 à marcher sur la Lune. Et c'était 4% du budget de l'État, le budget de la NASA. Alors que le budget de l'agence spatiale française, c'est 0,0 quelque chose pour cent. Et le budget de l'agence spatiale européenne, c'est pareil. Et le budget de la NASA, c'est aussi une décimale. Hein. Mais, donc ça a complètement raté sur cet objectif. Pour aller plus loin, on n'a pas besoin d'elle. Enfin, c'est pénalisant de transporter des ailes avec soi si on veut aller vers la Lune, vers Mars. Donc ce vers quoi on se dirige comme nouveau système de transport spatial américain, pour vous dire, il n'y en a plus du tout depuis 5 ans. Hein, depuis 2011, la navette ne vole plus. Et depuis 2008, tous les astronautes américains, y compris européens, canadiens, japonais, sont transportés vers l'espace exclusivement par les vaisseaux russes, qui sont de type capsule, qui sont les mêmes depuis 30 ans. Donc on retourne vers les capsules. Les capsules, c'est simple. C'est très basique. Si le pilotage à la rentrée ne marche pas très bien, en se mettant en mode purement balistique, au moins on sauve l'équipage, même s'il se pose à 500 km du point visé. Et puis, on sépare. Le principe, c'est séparer le transport de personnes et le transport de cargo. Ça, c'est une grosse erreur sur la navette. La navette, elle transportait à la fois les hommes et les femmes et 30 tonnes de matériel dans la soute. Et c'est ça qu'il fallait un truc énorme et très puissant qui faisait que le risque était élevé et qu'on a perdu deux équipages dans l'atmosphère. Pour l'atterrissage, là, les Américains ils choisissent d'amerrir et puis plutôt les Russes plutôt sur la Terre. Est-ce que c'est mieux d'atterrir pour le retour sur la Terre? Les Américains ont essayé de mettre au point des systèmes d'atterrissage, mais ça ne marchait pas bien. Ils étaient en retard et ce n'était pas leur priorité. Leur priorité, c'était mettre le paquet sur les techniques pour aller sur la Lune. Mais tous les vaisseaux américains futurs reviendront sur Terre. Et les Russes reviennent sur Terre parce qu'ils ont une grande zone au Kazakhstan. Ils ne voulaient pas se poser trop loin. Ils n'ont pas d'accès, effectivement. Et surtout, ils n'ont pas d'accès en mer libre, puisque c'est la marine américaine qui occupe quasiment toutes les mers. Donc, pour pouvoir récupérer leurs hommes, il ne fallait pas que ce soit les Américains qui les récupèrent. N'oubliez pas qu'on est dans un pur produit de guerre froide et que si on est allé aussi loin et qu'on a mis des budgets aussi forts, c'est parce qu'il fallait faire la nique aux Russes. Et maintenant, il n'y a plus d'intérêt économique ou autre de devancer les Russes. Autant travailler avec eux et réussir à faire quelque chose. Mais le principe de retour en capsule, c'est d'énormes parachutes, mais qui ne sont pas suffisants pour avoir une vitesse de contact qui soit quand même safe. Donc au dernier moment, il y a des altimètres qui détectent le césium, l'émission radioactive de césium naturel de la Terre, qui déclenchent l'allumage de rétrofusée, qui hop, arrête en douceur pile à l'endroit où ça touche. Et c'est pareil pour les Chinois avec leur Shenzhou et avec les futures capsules américaines. Alors pour reprendre, oui, c'est Cédric qui me rappelle la question tout à l'heure, pour aller vers Mars, les technologies seront différentes. Les principes fondamentaux de l'astronautique seront les mêmes, mais il faudra développer des systèmes de recyclage à bord les plus performants possibles. Aujourd'hui, dans l'ISS, on recycle déjà toutes les urines en eau potable. Aujourd'hui, les astronautes boivent et réhydratent leurs plats par l'eau qui vient de l'urine recyclée. On recycle le condensat de l'atmosphère. Donc c'est du recyclage par procédé physique, physico-chimique. L'Agence spatiale européenne est en train de tester dans un laboratoire des systèmes de recyclage par des processus biologiques. On nourrit des rats à partir de leurs selles recyclées. Et ça marche, mais bon. Mais c'est très important pour aller vers Mars de maîtriser un système de support vie qui recycle au moins 85% des déchets. Parce que si vous devez amener tout avec vous pour les 2 ans et demi de la mission,
c'est trop énorme, quoi. C'est idiot. C'est... Et sinon, se poser sur Mars, c'est très très difficile. Vous savez que Mars a une atmosphère, mais tout le monde ne sait pas que cette atmosphère, elle est très ténue. Il y a à peine 6 ou 7 millibars. C'est-à-dire qu'il y a, 150 fois moins d'air à la surface, de gaz à la surface de Mars que sur Terre. C'est la même pression qu'à 35 km d'altitude sur Terre. Donc, des parachutes, ça marche pour des tout petits rovers comme Sojourner ou Spirit il y a 15 ans. Mais Curiosity, qui fait déjà la taille d'une Mini Cooper, il n'y avait qu'un moyen, c'est comme la Lune, des rétrofusées. Et pour poser des habitats humains, typiquement Kingston, il faudra des rétrofusées qui s'opposent au poids en permanence pendant toute la descente, comme pour aller sur la Lune. C'est-à-dire, pour mettre une base lunaire sur la Lune, un habitat humain, un vaisseau humain, eh ben, il faut penser comme si c'était le vide. Et c'est très compliqué, parce qu'il faut amener toute cette masse vers Mars. Et sur Mars, elle est plus faible. Non, elle est plus faible, oui. Donc, oui. En plus, sur la Lune, effectivement, la gravité est très faible. C'est 1/6 de la gravité terrestre. Sur la Lune, elle est plus faible que la gravité terrestre, mais ça reste deux fois plus, presque 2,5 fois plus que la Lune. Donc, c'est, techniquement, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Mais aujourd'hui, on sait quels sont les développements à faire pour y arriver dans 30 ans. On sait ce qu'il faut faire pour un jour être capable d'aller sur Mars, mais ça va prendre du temps. Alors, pour le vol touristique, le vol suborbital dont je parlais à 200 000 euros le ticket, donc Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, l'a fait 4 fois déjà. Il a atteint 3 fois 100 km, mais en novembre, en janvier, et il y a 15 jours, il a récupéré l'étage qui envoie la capsule à 100 km pour les futurs touristes. C'est assez facile, parce qu'il a besoin que d'un étage. Il est vide, donc très léger, donc il allume qu'un seul des moteurs. Et bon, il faut tenir l'équilibre. Hein. C'est comme tenir le crayon en équilibre sur le doigt, comme je disais tout à l'heure, et le tenir en équilibre jusqu'à ce qu'on le pose en douceur. Ça va bien marcher pour le tourisme spatial. Par contre, pour le vol orbital, bon, on récupère que le premier étage. C'est Elon Musk, le fondateur de PayPal, là, et qui a créé SpaceX. Lui, il est convaincu qu'il va drastiquement réduire les coûts. Mais beaucoup d'experts disent, oui, mais quand il va se rendre compte de toutes les inspections à faire pour réhabiliter cet étage, le requalifier complètement avec le même taux de fiabilité, de garantie, de succès que s'il était neuf, ça va peut-être coûter presque aussi cher. En tout cas, c'est l'erreur grave qu'a fait la navette spatiale. Ce qui coûte cher dans le programme navette spatiale, c'est que tout le refurbishment, comme on dit en anglais, toute la visite pré-vol et les réinspections après atterrissage pour la rendre à nouveau apte au vol spatial coûte plus de 150 millions, enfin, ou 200 millions de dollars. Mais bon, je pense que c'est bien d'essayer et peut-être qu'Elon Musk a raison. Donc, on verra. En ce qui concerne l'envoi d'hommes sur Mars et le fait de retourner sur la Lune, c'est quoi l'intérêt d'envoyer des hommes plutôt que des machines ? C'est simple, vous regardez le parcours qu'a fait Apollo, l'équipage d'Apollo 17 en 2-3 jours, ils ont parcouru plus de 40 ou 50 km et c'est la distance que font les robots en 10 ans. Donc il nous faut des robots pour trouver le meilleur endroit où envoyer un équipage humain un jour et là ils seront très performants, ils pourront faire beaucoup plus parce qu'un robot ne fait que ce pour quoi on l'a programmé et tous les robots qui sont sur Mars ont des programmes très simples. On ne peut pas les programmer avec une intelligence sophistiquée où ils vont tout inventer, innover, intuiter tout seul. Ça coûterait trop cher de les rendre aussi performants. Ça coûterait plus cher d'envoyer un robot capable autant que ce que l'est un être humain qu'envoyer des humains. Mais les robots sont indispensables en éclaireur, en accompagnateur. Mais le jour où on voudra faire l'exploration efficace, eh bien, il n'y a rien qui remplacera les humains. Et puis, à très long terme, c'est quand même notre destiné. Hein. Moi, j'aime bien dire, vous savez pourquoi les dinosaures ont disparu ? Hein ? C'est parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Nous, on a la chance d'avoir un programme spatial et d'être capable d'apprendre à vivre ailleurs. On a le temps pour ça, on a des millénaires. Elon Musk, il dit qu'on n'a que quelques décennies, mais moi, je pense qu'on a des siècles, des millénaires devant nous. Mais un jour, on sait que la vie s'éteindra sur Terre. Elle sera impossible sur Terre. Dans 1 milliard d'années, le soleil aura gonflé, la Terre sera trop chaude pour abriter la vie.
Et si on pense que ça vaut le coup de chercher des solutions pour pérenniser l'espèce humaine, il faut qu'on apprenne à vivre ailleurs. Alors, à notre époque, nos générations, ça se passe dans le système solaire, on n'est pas capable d'aller vers d'autres étoiles, mais peut-être que dans des milliers d'années, on sera capable d'aller voir d'autres systèmes solaires et d'autres planètes qui seront plus jeunes que la nôtre. Mais c'est une des raisons, je pense, qui vaut le coup hein, aussi. Quels sont les principaux problèmes de santé qu'il y a eu dans l'espace, à part le mal de l'espace? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est cassé une jambe, attrapé une grippe, des calculs longs, je sais pas. Non, on n'a jamais eu de problèmes médicaux sérieux dans l'espace. On a ramené une fois d'urgence, les Russes ont ramené un astronaute qui avait fait une tachycardie lors d'une sortie dans l'espace. Ils se sont rendus compte que c'est juste parce que il a accroché par mégarde la commande qui permet de dépressuriser à une pression encore plus faible le scaphandre pour le rendre plus mobile. C'est ce qui a permis à Leonov de rentrer dans son sas hein, dans la première sortie dans l'espace. Le scaphandre, il est très rigide quand il est gonflé. Mais si on a besoin de beaucoup de mobilité, sur le scaphandre russe, pas américain, on peut momentanément réduire la pression. Et lui, il a accroché cette commande par mégarde sans s'en rendre compte. Et il a vu que sa pression diminuait. Il a cru qu'il avait une énorme fuite. Et il a pas paniqué, mais comme on a notre électrocardiogramme est suivi en continu pendant une sortie dans l'espace, au sol, ils ont dit « Oulala, il a un problème cardiaque, on le ramène tout de suite ». Non, sinon, il n'y a jamais eu de problème, jamais. Et pourtant, Dieu sait si le corps est bouleversé. Hein. Vous vous sentez devenir un vrai extraterrestre physiologiquement. Il y a un changement du système urinaire, digestif, neurovestibulaire, cardiaque, musculaire, osseux, immunitaire. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'espace, on observe sur des sujets sains, que sont les astronautes, des symptômes qui seraient pathologies de maladies graves sur Terre. On observe exactement le même phénomène que l'ostéoporose. Mais on sait pourquoi ça arrive dans l'espace, c'est réversible et c'est normal. On observe un déconditionnement cardiovasculaire très important parce que le cœur travaille beaucoup moins. Le système immunitaire est extrêmement diminué, exactement comme pour les personnes qui sont atteintes du sida, mais c'est normal chez l'astronaute. Le système neurovestibulaire est totalement décalibré, donc les personnes qui ont des pertes d'équilibre, et on cherche à comprendre comment les aider à corriger leur manque d'équilibre, eh bien on apporte des réponses en étudiant le phénomène chez les astronautes. Mais tout ça, ça fait pas mal. On se sent très bien, on s'adapte très vite. Par contre, au retour sur Terre, ça prend plusieurs semaines pour ceux qui font des vols de longue durée. Mais ils finissent par vivre normalement centenaire. Hein. Oui, j'ai une question qu'elle a. Bonjour. Je vais reprendre deux choses que vous avez dit. Vous avez parlé d'Elon Musk, là, qui est un riche qui a réussi dans tout avec Tesla et PayPal et tous ces domaines de trans. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ça, Musk et aussi le prix qui ne coûte pas si cher que ça au final, vous avez dit 0,01%. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à terme, les sociétés comme Google, qu'on sait qu'ils travaillent sur des projets internes un peu cachés, des rumeurs, des choses, est-ce qu'il n'y a pas peur d'une privatisation un peu de la conquête spatiale et que ça remplace... Pour peur de quoi? Non, c'est bien. S'il y a des fonds privés, des gens sur fonds privés, c'est pas l'argent du contribuable, mais qui crée du business, qui crée des passions, qui intéresse des gens qui sont différentes cultures, de différentes nationalités, pour vivre une expérience extraordinaire et qui après deviennent les meilleurs ambassadeurs pour la protection de la planète. Parce que vous regardez tout ce qu'ont écrit les 7 touristes qui ont payé entre 20 et 30 millions de dollars pour passer une semaine dans l'ISS, ce sont les meilleurs ambassadeurs. Parce qu'ils ne parlent pas technique comme les astronautes ou les ingénieurs. Mais regardez, par exemple, le fondateur du Circuit du Soleil, Guy Laliberté, il a écrit un livre qui s'appelle Gaïa, dans lequel il a mis les plus belles photos qu'il a prises de la Terre. C'est un hymne à notre planète. Donc, non, moi, je trouve ça très bien. Et si ça permet, entre autres, de diminuer les coûts pour les autres... Ça compte pas un manque de la part de la NASA de faire rêver les gens, de pousser les gens vers ces choses-là, et si on est obligé de passer par des sociétés privées avec des gens qui ont peut-être une meilleure vision pour essayer de ramener vers la conquête spatiale où il y a eu un peu une perte. Mais la NASA, ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est laissons aux privés l'orbite basse, nous on s'occupe de l'exploration lointaine, on va se polariser maintenant sur les vols habités qui vont retourner très loin. Alors, toujours dans la banlieue de la Terre, même si elle est éloignée, la Lune, ce qu'on appelle les points de Lagrange, c'est toujours sous l'influence terrestre. Mais le jour où on enverra un équipage vers Mars, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité,
enfin, ce sera comparable à Neil Armstrong qui a marché sur la Lune, sans parler de marcher sur Mars, juste d'aller vers Mars. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des humains ne verront plus la Terre, ne parleront plus avec la Terre, ne pourront plus revenir en cas d'urgence. Ce sera énorme, ce sera vraiment nouveau. Et si les privés occupent l'orbite basse pour faire des tas de choses passionnantes ou ludiques ou business, des hôtels privés comme Bigelow avec ses modules gonflables, ça fait pas de mal, hein. Et ça permet de réduire les coûts du lancement pour les satellites qui vous servent tous les jours. Ouais. Il y a aussi une logique financière dont on n'a pas vraiment parlé, mais le programme Apollo a été une grande saignée dans le budget américain, et la NASA a chèrement payé les échecs successifs après 69 en voyant son budget à chaque fois coupé par le Congrès. Et il a fallu justifier quelque chose de nouveau, la navette spatiale, pour de nouveau avoir des budgets. La navette spatiale, ça s'est encore une fois fini avec des accidents, donc avec de nouveau des questions sur l'utilité d'une administration qui dépense de l'argent américain pour rien. Et les Américains sont assez cartésiens dans ce genre de choses. Et ils réussissent même à mettre l'État fédéral en faillite pour le faire plier. Bon, ben, la NASA est dans cette nécessité de devoir justifier les budgets. Alors, pour l'instant, Mars fait rêver. Mais d'ailleurs, une des premières pertes, c'est qu'après les missions Apollo, ça s'est arrêté à Apollo 17 alors qu'ils avaient prévu au départ 20 missions, la NASA a créé la plus grosse station de l'époque qui s'appelait Skylab. Et Skylab était en orbite qui était assez basse, donc elle perdait un peu d'altitude, parce que même à 400 km, il reste de l'atmosphère résiduelle, donc ça freine un petit peu dans la longue durée. Hein, la Station Spatiale Internationale, elle perd environ aujourd'hui de l'ordre de 50 mètres par jour d'altitude. Et quand le Soleil est très très actif, imaginez, l'atmosphère gonfle, il y a 10 ans, elle perdait jusqu'à 2 km par jour d'altitude, donc de temps en temps, il faut rebooster. Eh bien, la première mission de la navette spatiale, c'était censé en 79 s'accoster à la station Skylab et la rehausser. Le retard de la navette a fait que Skylab est rentré dans l'atmosphère en n'ayant abrité que 3 équipages, alors que c'était une station destinée à vivre 10 ou 15 ans dans l'espace. Oui, donc j'ai un petit commentaire en fait sur une contribution des missions Apollo qui a été très légèrement évoquée, mais pas complètement. C'est en fait que les équipages Apollo ont déposé plusieurs réflecteurs laser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déposé ces réflecteurs donc, il y a près de 50 ans, mais que l'expérience dure depuis. Et donc, il y a des tirs laser qui sont faits depuis la Terre, et en particulier depuis la France, depuis Grasse. Et comme ça, on a la distance Terre-Lune à quelques centimètres près. Et tout à l'heure, il a été évoqué le satellite Microscope qui vient d'être lancé pour tester le principe d'équivalence. Et en fait, jusqu'à présent, c'était justement ces mesures laser qui ont donné le meilleur test du principe d'équivalence. Oui, mais donc c'est une contribution à très long terme qui n'était pas entièrement... On ne pouvait pas penser que ça allait durer. Oui, c'est une contribution, mais qui n'est pas du tout justification. Parce que les Russes ont posé des réflecteurs en automatique. Oui. On peut poser des réflecteurs en automatique. Mais c'est vrai que les astronautes l'ont fait aussi. Et qu'on les utilise encore aujourd'hui, c'est oui, vrai. Oui, on les utilise, mais il n'y a pas d'autres missions qui ont américaines, parce que c'est gros, ils sont gros leurs réflecteurs, qui ont déposé des aussi gros réflecteurs. Il n'y a pas de mission autre que les missions Apollo qui l'ont fait, parce que je pense que maintenant, dans les charges utiles, ça, on considère que c'est trop lourd. Il y a des projets d'en mettre, des meilleurs, mais a priori, il n'y en a pas eu depuis, quoi. Oui, c'est vrai que certains instruments posés par les astronautes ont vraiment apporté. Et ce qui est sympa, Apollo 12, vous savez, Apollo 12, la mission d'Apollo 12, c'était se poser à côté d'une sonde américaine automatique qui s'était posée avant les missions Apollo. Ils sont posés à une centaine de mètres, ils sont sortis du LEM, ils ont marché, ils ont dévissé quelques pièces et ils les ont ramenés sur Terre. C'est assez sympa quand même. Bon, on a commencé par Microscope, on finit par la télémétrie, lunaire laser. Donc je crois qu'on va peut-être s'arrêter là. On remercie encore Jean-François et Gérald pour leur ouverture. Alors comme d'habitude, si vous avez encore des questions à leur poser, on se retrouve
autour d'un verre tout à l'heure, donc vous allez pouvoir vraiment leur poser les questions que vous n'avez pas osé ou pas eu le temps de poser. Mais avant ça, Anaïs, que devons-nous lire ce mois-ci ? Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, mais c'est quand même un grand classique, nous avons L'étoffe des héros de Tom Wolfe, qui retrace l'épopée du projet Mercury, donc placer un homme en orbite autour de la Terre. Le projet Mercury, c'est, alors là je vais essayer de ne pas dire de bêtises, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas bien et que je l'ai lu il y a longtemps. C'est une vingtaine de vols sans humains et 6 vols habités. C'est aussi le premier américain dans l'espace. C'est sur fond de guerre froide à couteau tiré. Les héros en question, c'est 7 astronautes à la conquête du ciel, donc courageux, plein d'espérance. Je le gardais pour une projection de Top Gun, mais en fait, bon, j'ai cramé ma cartouche. Oui, oui, je sais qu'il est, il y a une super adaptation. Et ça tourne beaucoup autour de la question du héros, vu par Tom Wolfe, qui est un des grands noms du nouveau journalisme américain. Donc c'est une enquête en immersion, c'est une collection d'anecdotes et de détails, ça se lit comme un roman parce qu'il ajoute l'emphase et l'humain aux faits, il assume complètement son rôle littéraire, c'est du grand Tom Wolfe. Et voilà, c'est la question du héros, le pionnier, celui qui repousse les frontières, qui franchit les limites, le premier, dont on a beaucoup parlé ce soir. C'est aussi celui qui fait pleurer sa femme, qui subit des tests comme des animaux de laboratoire, qui se fait pourrir par une patronne de bar, qui a un pantin dans les mains des médias américains. Donc c'est vraiment, l'étoffe dont on fait les héros, c'est aussi de la peau humaine, quoi. Le deuxième, c'est un autre reportage du grand reporter Stephen Baxter sur la conquête de Mars, qui est dans la continuité du film, c'est-à-dire qu'après avoir mis le pied sur la Lune, la NASA projette de mettre le pied sur Mars. C'est une uchronie. C'est une plongée au cœur de la NASA telle qu'elle a été et telle qu'elle aurait pu être, avec une profusion de détails absolument ahurissante. Je plaisantais en disant que c'est un grand reporter, parce que c'est un grand écrivain de science-fiction. Mais là, on a vraiment une histoire du programme spatial américain transposée en fiction, avec une monstrueuse pression qui s'exerce à tous les niveaux dans les préparatifs du voyage. Ça s'appelle voyage, mais en fait, on voit beaucoup plus la préparation que le voyage en lui-même. C'est un projet titanesque qui est raconté avec une minutie extrême, une précision technique délirante de la part de Baxter, avec chaque choix politique, chaque incertitude, chaque contretemps, chaque petit hasard qui devient un détail décisif. Question technique, j'en parle même pas, j'ai rien compris, mais c'était vachement bien. C'est aussi documenté qu'un récit journalistique, sauf qu'il met en scène des réalisations astronautiques qui, à l'époque où il l'a écrit, étaient demeurées au stade des essais préliminaires. Donc c'est un vrai roman de SF, une espèce de réalisme alternatif parfaitement assumé. Et le dernier, mon chouchou, qui vient de sortir en France, c'est Mojave Epiphany d'Erwenn Chardonnay, qui s'intéresse aux pionniers. Donc là, je termine par le début, en fait. Aux pionniers de l'aérospatiale aux États-Unis, c'est notamment ce qu'on voit dans le film, Robert Goddard qui fait péter des fusées dans son jardin. Et notamment, ça s'intéresse beaucoup au cercle de gens qui gravitent autour de Von Karman, donc Jack Parsons, un nom chinois que je vais avoir du mal à prononcer, Xu Shenxian, qui a été un des pères ensuite du programme spatial chinois, Frank Malina, etc. On y croise aussi de grands écrivains de SF comme Robert Heinlein, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Ray Bradbury, et des figures spirituels comme Ron Hubbard, donc le père de la scientologie, Aleister Crowley. C'est une espèce de mélange incroyable. Donc c'est un journaliste qui l'a fait, pas un scientifique ni un romancier, mais quelqu'un qui navigue largement entre les deux pôles. Donc ça commence par un petit groupe de geeks avant l'heure, des thésards géniaux, des bricoleurs insensés, des quasi-autodidactes qui développent à la fin des années 30 la propulsion à réaction, qui se met à vendre son savoir à l'armée, aux industriels, et puis qui attire l'attention du FBI parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir des sympathies communistes ou libertaires, et puis ensuite on les soupçonne d'intellectualisme fasciste, et puis d'appartenance à une secte, alors pas tous, mais effectivement, il ne s'agit pas que d'histoire d'ingénieurs et de mathématiciens, il y a aussi l'histoire du Parsonage, donc la demeure de Parson, qui a été une espèce d'utopie comme ça, de gens, de membres de l'ordre
ah, j'ai oublié le nom, chapeautée par Aleister Crowley, où on fait des messes magiques comme ça, et puis on se rend compte petit à petit, au fil des anecdotes, qu'en fait ça couche dans tous les sens, c'est incroyable. Les mecs font de la nitroglycérine à la maison pour arrondir les fins de mois. Il y a donc Ron Hubbard qui gravite dans ce cercle-là, en essayant de charmer les uns, d'escroquer les autres, de se tirer avec la femme de Parson. On a des juxtapositions hyper intéressantes de voilà, ce genre d'anecdotes croustillantes, et en même temps les pressions de l'armée, des lobbies, du FBI, la mise en place du maccartisme et leurs propres avancées. C'est pareil avec des avancées techniques, voilà, c'est eux qui ont, si je ne dis pas de bêtises, inventé le propergol liquide qui a permis du coup de pouvoir alimenter les fusées. C'est une réelle collection de parcours d'obstacles, en fait, à la fois individuels et collectifs. C'est des visionnaires absolument fabuleux et qui mélangent à la fois la science-fiction, les arts, l'occultisme, le sexe. C'est, voilà, c'est vraiment un livre, il y a tout dedans. Bon ben, merci. Et j'en profite aussi pour un... Ah, vas-y, vas-y. Un autre livre, donc c'est un livre que j'ai écrit avec un ami. Ah oui, très sympa. C'est un livre très sympa pour tous les âges. C'est essentiellement photographique, avec des petites anecdotes qui retracent sous forme d'almanach, c'est-à-dire il y a deux pages par année, l'histoire des vols habités. Voilà. Ça s'appelle Histoire de la conquête spatiale chez Vuibert, mais c'est en fait que les vols habités. Et pour chaque, on a identifié en gros une soixantaine d'événements clés ou de 80. Événement clé depuis le vol de Gagarine, et pour chaque événement clé, il y a la date, un petit texte et les photos. Et c'est très sympa. D'ailleurs, il va être épuisé, ils sont en train de relancer une... Donc c'est vraiment sympa. Ouais, quoi. Ouais. Bon, merci Jean-François. Merci Gérald.